Bien évidemment, après, si vous avez à vous rapprocher, vous les remettrez. Je vais vous demander de mettre en mode silencieux ou mode avion vos portables durant la séance donc officielle. Donc, il est 9h59. À 10h, nous allons commencer. Celles et ceux qui souhaiteraient prendre la parole sont priés donc de la demander et ensuite de se lever de façon à pouvoir être dans le champ des caméras. Vous savez que nous sommes retransmis donc en direct sur le site de la ville ainsi que sur Facebook Live de la ville. La presse est présente également et puis nous avons quelques personnes donc des services tout en respectant bien évidemment donc les 4 mètres carrés qui sont l'obligation que nous avons ce matin. Donc on va commencer dans quelques instants. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Il est donc 10 heures. Nous sommes donc réunis ce matin pour l'installation officielle du conseil municipal de la ville de Roanne, l'élection du maire et des adjoints, plus un certain nombre de délibérations que vous avez toutes reçues, toutes et tous reçues, donc en temps et en heure, comme le veut donc la loi. Nous allons procéder d'une part à l'installation des membres du conseil municipal, donc je vais être amené à faire l'appel. Ensuite, il y aura donc je céderai la place, là je suis maire sortant, donc j'installe le conseil. Ensuite, je céderai la place donc à notre doyen de séance, donc Guy Sergenton, qui viendra donc ici. Et il procédera donc après une intervention donc à l'élection du maire. Ensuite, donc le maire reprendra sa place. Et nous aurons donc d'une part à déterminer le nombre des adjoints et donc approuver une délibération. Ensuite, élire donc les adjoints. C'est un scrutin donc de liste qui sera proposé. Ensuite, nous aurons la lecture donc de la charte de l'élu local, qui est une nouvelle obligation donc lors de l'installation du conseil municipal. Ensuite, je vous demanderai donc de bien vouloir approuver les pouvoirs que le maire va confier. Je vous rendrai compte, pardon, des pouvoirs délégués au maire, les décisions ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Et donc, je dois vous en rendre compte. Il faut savoir que chacun a reçu une copie des décisions qui ont été prises chaque fois qu'elles ont été prises, donc pour les conseillers en place. Ensuite, nous déléguerons donc les pouvoirs que je souhaite déléguer donc aux différents élus. Il y aura la désignation de représentants au sein des commissions municipales et d'organismes extérieurs, la désignation des représentants des élus de la ville de Roanne au comité technique, donc le CT, et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puisqu'il y a autant d'élus politiques que d'élus représentant les personnels qui siègent dans cette instance. Ensuite, nous fixerons donc les indemnités de fonction des élus. Il y aura également une délibération pardon, sur le service commun de direction générale qui doit être prolongé avec Roanne Agglomération. Et puis, la création des emplois de collaborateurs de cabinet, nous ouvrons les postes. Et enfin, donc, le service, une délégation, une, un avenant pardon, avec une prolongation concernant le service commun du cabinet. Voilà. Je vais donc procéder donc à l'appel et vous aurez la gentillesse donc de répondre présent de façon claire, de façon à ce que tout le monde vous entende bien. Madame Clotilde Robin, Monsieur Lucien Murzy, Madame Sophie Rotkopf, Monsieur Jean-Jacques Banchet, Madame Corinne Troncy, Monsieur Fabien Lambert, Madame Catherine Dufossé, Monsieur Gilles Passot, Madame Fanny Fenoux, Monsieur Pascal Lassaigne, Madame Marie-Laure Dana Burnichon, Monsieur Edmond Bourgeon, Madame Hélène Lapalu, Monsieur Christophe Pion, Monsieur Guy Sergenton, Madame Marivonne Lougraieb, Madame Catherine Brun, Monsieur Christian Dorange, Madame Valérie Promalet, Madame Virginie Bernier, Monsieur Guillaume Brasseur Minard, Madame Adina Loupou Bratilo Véanou, Madame Jade Petit, Monsieur Madi Nouiba,
Madame Vanessa Barban, Madame Vicky Redeuil, Monsieur Johan Rivollier, Monsieur Romain Bost, Monsieur Quentin Guirmain, Madame Fadoua Fadloun, Monsieur Alexandre Grange, Madame Christine Chevillard, Monsieur Bernard Gerbault, Monsieur Franck Besson, Monsieur Denis Vanek, Madame Brigitte Dumoulin, Madame Marie-Hélène Riamon, Monsieur Andrea Iacovella. Je vous déclare donc installé dans vos fonctions de conseiller municipal. Je vais donner lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections municipales du dimanche 15 mars 2020. Nombre d'électeurs inscrits, 20 540. Nombre d'enveloppes et de bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne, 7 087. Nombre de suffrages exprimés, il doit y avoir une erreur dans le monsieur Condette, non ? Oui, pardon, oui, 6856, c'est vrai, c'est juste. Ont obtenu liste Rouen passionnément 4048 voix, liste collective 88 1207 voix, liste à gauche pour Rouen 1194 voix, liste réussir Rouen ensemble 407 voix. Conformément à l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je cède maintenant la présidence de séance au conseiller municipal le plus âgé, M. Guy Sergenton. Je vous invite à me rejoindre. Bien. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, je n'ai pas l'habitude de parler devant toute une assemblée. Mon métier de pédiatre jusque-là me faisait pratiquer plutôt ce que les médecins nomment le colloque singulier entre médecins et malades, et dans mon cas particulier devant un ou parfois deux parents et l'enfant. Je vais donc vous demander un peu d'indulgence. En tant que doyen de cette assemblée, il me revient de droit de présider cette première séance du conseil municipal pour un moment bref, mais important, celui d'élire le maire de Rouen. Malgré les conditions très particulières que nous rencontrons aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Là, je me confère quelques prérogatives que j'accepte bien volontiers, puisque je ne peux rajeunir. La présence de ce coronavirus dans notre pays doit nous rappeler tout d'abord que nous sommes tous mortels et que ce virus n'est ni de droite ni de gauche, ni communiste fût-il chinois, ni capitaliste fût-il américain. Je vous incite donc à considérer avec bienveillance les opinions divergentes des uns et des autres et à essayer de trouver par la discussion et la confrontation d'idées une solution aux problèmes qui ne manqueront pas de se poser. Permettez-moi tout d'abord de féliciter l'ensemble de l'équipe Rouen passionnément, conduite par Yves Nicolin. Elle a recueilli près de 60% des suffrages et a donc été brillamment élue dès le premier tour des élections municipales le 15 mars dernier. Je salue également les 7 représentants des 3 listes d'opposition qui font leur entrée au conseil municipal. Le 15 mars, 4 listes, 4 projets pour notre ville ont été présentés aux électeurs. 4 visions parfois radicalement différentes de la société ont été soumises au choix des Rouennais. La décision des électeurs a été claire et le résultat sans appel. Les Rouennais ont décidé de renouveler leur confiance à leur maire et ont exprimé leur volonté de poursuivre la dynamique engagée depuis 2014 par Yves Nicolin et son équipe. Je tiens ici aussi à saluer le mérite de l'équipe sortante. Je la remercie du travail réalisé depuis 6 ans et j'espère que nous saurons nous montrer dignes d'elle en reprenant le flambeau.
Les Rouennais se sont massivement reconnus dans le projet et le programme que nous portions et défendions. Aujourd'hui, avec l'ensemble de l'équipe Rouen Passionnément, nous mesurons la lourde responsabilité qui nous est confiée. Monsieur le maire de Rouen, monsieur Nicolin, cher Yves, au nom de l'ensemble des 38 colistiers, je tiens à vous dire merci. Merci d'abord pour votre engagement sans relâche pour notre ville. Merci de nous avoir permis de vivre à vos côtés cette formidable aventure qui est une campagne municipale, une campagne de proximité faite de rencontres, d'échanges, de débats d'idées, de projets et d'actions. Merci de nous avoir fait confiance en nous plaçant à vos côtés dans cette équipe de Rouen Passionnément que vous avez conduite à la victoire. Votre confiance nous honore et nous oblige. Et à titre personnel, vous savez combien ma présence près de vous et de votre équipe aujourd'hui revêt pour moi une importance particulière. Monsieur Nicolin, cher Yves, dans quelques minutes, ce n'est un secret pour personne, vous allez revêtir pour la troisième fois l'écharpe de maire de notre ville. Cette écharpe, symbole de votre fonction, vous confère une place particulière dans nos institutions républicaines, celle du pouvoir de proximité, ô combien utile en ces moments troublés où vous avez dû prendre dans l'urgence les mesures nécessaires à la protection de nos concitoyens, ainsi que des mesures pour préparer l'avenir de notre territoire. Depuis maintenant plus de 2 mois, sans compter ni votre temps ni votre énergie, vous avez été avec l'équipe sortante sur le front pour lutter sans trêve contre la propagation du coronavirus. Avec vos élus et les services de la ville, vous avez soutenu les professionnels de santé en leur apportant des équipements, de l'aide et un soutien précieux. Permettez-moi à cet instant d'avoir une pensée pour l'ensemble des personnels soignants qui a fait preuve d'une abnégation particulièrement admirable, ainsi que pour tous ceux qui ont travaillé, quelle que soit leur place sur l'échelle sociale, souvent des obscurs et des sans-grades, dans des conditions parfois difficiles, pour assurer la vie quotidienne de tous sur notre territoire. Vous avez aussi protégé les Rouennais en étant la première commune de France à distribuer massivement des masques à tous les foyers. Vous avez apporté assistance aux Rouennais les plus fragiles, les plus isolés, afin de ne laisser personne sur le bord du chemin. Vous avez accompagné l'ensemble de la population et soutenu les producteurs locaux en vous battant pour que les marchés publics restent ouverts. Vous avez soutenu les entreprises en créant un fonds exceptionnel de 5 millions d'euros. C'est l'un des plus importants de France. Et je sais que dans les prochaines semaines, notre ville prendra des décisions en direction notamment des commerçants. Vous avez organisé l'ensemble des services municipaux pour que dans des conditions sanitaires exemplaires, ils puissent poursuivre leur mission auprès des Rouennais. Qu'ils soient ici remerciés chaleureusement pour leur mobilisation, leur engagement et leur professionnalisme. Tout comme vous, ils ont fait honneur au service public. Monsieur le maire, cher Yves, au moment où certains ont eu la main qui tremble pour décider de ce qu'il fallait faire et quand il fallait le faire, vous avez su, vous, gérer cette crise aussi violente qu'inattendue. En tant que médecin, je vous félicite pour chacune des actions que vous avez décidées et mises en place malgré les incertitudes et les querelles scientifiques. Toutes avaient du sens, toutes étaient nécessaires pour assurer la protection des Rouennais et lutter contre la propagation de ce virus. Vous le savez tous, la bataille n'est pas gagnée et nous devons justement, parce que nous sommes à l'heure du déconfinement, redoubler de vigilance, porter un masque et poursuivre les gestes barrières. Le Covid-19 aura marqué l'histoire de notre ville comme il aura marqué l'histoire du monde. Ensemble, il nous appartient désormais de panser toutes les plaies économiques, sanitaires
et sociale que laissera l'épidémie. Néanmoins, monsieur le maire, mes chers collègues de l'équipe Roanne Passionnément, à l'aube de ce nouveau mandat, il est important de faire preuve d'optimisme, de volontarisme et de détermination. Cher Yves, vous pourrez compter sur notre engagement à vos côtés pour mettre en œuvre le programme que nous avions proposé aux Roannais et qu'ils ont massivement accepté le 15 mars. Je vous remercie. Je dois faire lecture des différents articles du Code général des collectivités territoriales, parce que je suppose que personne ne les connaît par cœur. Donc, pour faire suite à l'appel fait en début de séance par M. Nicolin, je constate tout d'abord que la condition du quorum est remplie, conformément à l'article L2121-17 du Code général des collectivités territoriales. L'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales stipule qu'au début de chacune de ces séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ceux ou ses secrétaires des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations. Je propose de faire appel au conseiller le plus jeune, M. Alex Grange. Avant de procéder à l'élection du maire, je me dois aussi de vous donner lecture des articles L2122-4, L2122-5 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article 21-22-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous les impôts et taxes ne peuvent être élus maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui sont dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés, aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L2122-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons procéder à l'élection du maire de Roanne.
et constituer le bureau électoral. Un assesseur doit être désigné. Je propose Madame Fadloun. Le moment est maintenant venu de solliciter au sein de notre Assemblée les candidats aux fonctions de maire de la ville d'Oran. Qui sont les candidats à la fonction de maire? Je vais laisser la parole à Madame Clotilde Robin. Mes chers collègues, au nom du groupe majoritaire Juan Passionnément, je vous propose la candidature de Yves Nicolin. Y a-t-il d'autres candidats? Ah, Monsieur Besson, je suppose. Alors, non pas candidat, mais savoir si on peut avoir une prise de parole introductive de quelques minutes, maintenant ou peut-être un peu plus tard. Un peu plus tard, on va d'abord procéder à l'élection du maire et ensuite le nouveau maire prendra la parole et vous proposera certainement de vous la laisser. Entendu, merci. Il n'y a pas d'autres candidatures. Donc nous allons procéder au scrutin. Vous pouvez écrire le nom d'un candidat sur le bulletin de papier blanc. Les élus ayant une procuration voteront pour leur mandant. Oui. Je vais procéder à l'appel nominatif de chaque conseiller municipal. Monsieur Grange approchera l'urne. Vers chacun de vous à l'appel de son nom. Commencer, Monsieur Nicolin. Monsieur Grange. Madame Robin. Monsieur Sergenton. Mais j'ai pas d'enveloppe. Si. Ah, pardon. C'est vrai, je débute. Monsieur Murzy. Madame Rotkoff. Monsieur Bancher, Madame Troncy, Monsieur Lambert, Madame Dufossé, Monsieur Passot, Madame Fénou, Monsieur Lassaigne, Madame Dana Burnichon, Monsieur Bourgeon, Madame Lapalu, Monsieur Pion. Madame Lougraïeb,
Madame Brun. Monsieur Dorange. Madame Pro-Mallet. Madame Bernier. Monsieur Brasseur-Minard. Madame Loupou-Bratilo-Véanou. Madame Petit. Monsieur Nouiba. Madame Barban. Madame Redeuil. Monsieur Rivolier. Monsieur Bost. Monsieur Guillermin. C'est après. Madame Fadloun. Madame Chevillard, je vois plus. Monsieur Gerbault, Monsieur Besson, Monsieur Vanek, Madame Dumoulin, Madame Riamont. Et Monsieur Iacovella. Les assesseurs vont procéder au dépouillement et le secrétaire de séance notera les résultats et me remettra la feuille afin que je procède à la proclamation des résultats. Madame Fadlois, si vous voulez venir. Elle arrive, elle a compris. Ça se coupe comment ? Ici ? Nicolas. Yves Nicolas. Yves Nicolas.
Nicolin. Yves 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 Nicolin. Je vais donc procéder à la proclamation des résultats. Nombre de votants 39, bulletin blanc 7, suffrages exprimés
32, majorité absolue 20. Monsieur Yves Nicolin a obtenu 32% des voix. 32 voix, pardon. Je suis désolé. Il a donc obtenu la majorité absolue au premier tour et je le proclame maire de la commune de Roanne. Et je le félicite, mon cher Yves. Je vous laisse la parole. Merci à tous. Mesdames et messieurs les élus du groupe majoritaire Roanne Passionnément, chers collègues, mesdames et messieurs les élus des groupes minoritaires, chers Roannais qui, compte tenu des circonstances, suivez en direct sur Facebook Live ou sur le site internet de notre ville l'installation du conseil municipal. Le 15 mars dernier, les 20 450 électeurs roannais étaient appelés à se rendre aux urnes pour élire leur maire et l'équipe qui l'accompagnera dans la gestion de Roanne pour les 6 années à venir dans un contexte bien particulier. 4 équipes aux profils bien différents ont sollicité la confiance des Roannais. 4 projets, parfois radicalement opposés, ont été soumis au choix des habitants de notre ville. Le 15 mars, les Roannais ont voté et ont exprimé un choix clair, sans ambiguïté, en votant dès le premier tour à plus de 59% pour la liste Roanne Passionnément que j'avais le plaisir et l'honneur de conduire, reléguant plus de 40 ou 50 points derrière les listes arrivées deuxième, troisième ou en quatrième position. Je remercie sincèrement, chaleureusement, l'ensemble des Roannais qui ont fait le choix de me renouveler leur confiance. J'ai sollicité 5 fois le suffrage des Roannais pour des élections municipales. 2 fois battu, 3 fois élu, je mesure le poids des responsabilités qui m'incombent et qui incombent à mon équipe. Fait rare, cette élection a été remportée dès le premier tour. Cela faisait 31 ans qu'une équipe municipale n'avait pas été élue dès le premier tour à Roanne. Ce n'est d'ailleurs pratiquement jamais arrivé avec 4 listes candidates. C'est donc pour nous une magnifique victoire. Cette confiance des Roannais m'honore et honore toutes mes équipes d'élus d'hier et d'aujourd'hui et proches collaborateurs à qui je dédie cette victoire. Elle est la récompense du travail déterminé, méthodique, mené depuis 6 ans, pour rendre notre ville plus moderne, plus dynamique et plus attractive sur le plan économique et démographique. Mais cette victoire n'est pas seulement celle d'un bilan. C'est d'abord et avant tout celle d'un projet dans lequel les Roannais se sont massivement reconnus. Notre préparation, notre sérieux, notre rigueur ont fait la différence. Avec empathie, mon équipe et moi sommes restés au contact des Roannais pour échanger avec eux, pour recueillir leurs besoins et leurs attentes. Le projet que nous portons et que nous allons concrétiser a été conçu par les Roannais et pour les Roannais. Il n'est pas le fruit d'un appareil politique. Cette victoire au premier tour nous oblige. Elle nous oblige à continuer à faire preuve d'une grande rigueur pour tenir les engagements que nous avons pris devant les électeurs.
Elle nous oblige à poursuivre nos efforts dans la construction d'une ville dans laquelle chacun peut grandir, étudier, travailler, vieillir et se divertir en toute sérénité. Une victoire au premier tour de cette ampleur ne s'était jamais vue dans notre ville. Dès cet après-midi, avec mon équipe, nous serons officiellement au travail pour servir Roanne et les Roannais durant les 6 prochaines années. Mais le travail n'a véritablement jamais cessé depuis le 15 mars. Dans la grande ligne de la continuité du service public, nous avons, avec l'équipe de 2014, géré jusqu'au bout, avec conscience et responsabilité, la crise sanitaire. À l'heure où je revais pour la 3e fois l'écharpe de maire de notre ville, mon plaisir et mon émotion sont les mêmes qu'en 2001, lorsque le doyen de séance de l'époque, Ernest Feuillet, me la remettait officiellement pour la première fois. Mon envie d'agir n'a pas changé, elle s'est même amplifiée avec le temps. Ma patience s'est accrue, mais je serai sans état d'âme quand cela sera nécessaire à la bonne marche de notre cité. Ma détermination est intacte et fort heureusement, mon énergie ne s'est pas altérée. Cette écharpe, bien évidemment, est lourde de sens et de symboles. Et je suis particulièrement fier et honoré que ce soit vous, docteur Sergenton, qui me l'ayez symboliquement remise. Le fait qu'un médecin en pleine crise sanitaire, doyen de notre assemblée, me remette la représentation de cette charge est pour mon équipe et moi un signe que la santé de nos concitoyens fait partie de nos responsabilités les plus précieuses. Mon cher Guy, votre nom résonne dans notre ville car nombre de Rouennais sont un jour ou l'autre passés entre vos mains expertes de médecins pédiatres. J'ai aussi en cet instant une pensée pour Elisabeth. J'en profite pour vous adresser mes plus sincères félicitations pour avoir assuré avec brio la présidence du début du conseil municipal et pour les bons mots que vous avez eus à mon égard. Depuis 2 mois, les courriers et messages affluent et je sais que vous avez été la voix de nombreux de nos administrés. Mesdames et messieurs les élus, chers Rouennais, les propos que je vais vous tenir aujourd'hui sont, vous vous en doutez, radicalement différents de ceux que j'aurais prononcés le 21 mars, date à laquelle nous aurions dû installer officiellement le conseil municipal. Au début du mois de mars, Roanne se distinguait sur la scène régionale par un taux de chômage historiquement bas, par des créations d'emplois annoncées par milliers ou par une excellente première place sur le podium des villes les mieux gérées de France. Bref, pour la première fois depuis des décennies, l'ensemble des feux était au vert, nous laissant ainsi penser à un avenir prometteur, serein et prospère pour notre ville et son agglomération. Malheureusement, en quelques semaines, le monde a basculé. Vous le savez, en raison du Covid-19. Venu de Chine, le virus s'est rapidement diffusé vers l'Occident et dès le lendemain du premier tour, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de mettre notre pays à l'arrêt pour lutter contre la propagation du coronavirus. Du jour au lendemain, Roanne, comme l'ensemble des autres communes de France, a été plongée dans le confinement. Un confinement marqué par l'arrêt brutal de la vie économique et la fin des relations sociales. Un confinement synonyme pour nombre de nos concitoyens d'isolement, d'angoisse et d'inquiétude. Dès le premier tour, et compte tenu de l'ampleur de l'épidémie, avec mon équipe, nous nous sommes mobilisés pour d'abord accompagner et soutenir les personnels soignants en leur livrant le matériel ou des équipements et pour apporter un soutien logistique important aux établissements de soins, publics comme privés, qui devaient organiser les flux des patients, isoler les potentiels malades atteints par le virus. Nous nous sommes également attachés à ne laisser aucun Rouennais sur le bord du chemin en développant fortement l'action sociale, notamment envers les familles les plus fragiles, les seniors et les Rouennais isolés. À ce titre, je remercie l'ensemble des services municipaux qui, malgré un contexte difficile,
ont assuré les missions de service public qui incombent à notre administration. Plusieurs collaborateurs, au plus fort de l'épidémie, ont continué à être en contact avec le grand public et avec des sujets à risque. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est donnée pour saluer avec respect et remercier chaleureusement les soignants qui ont accompli un travail extraordinaire avec quelquefois bien peu de moyens. Je remercie également tous ceux qui, malgré la propagation de la maladie et les éventuels risques encourus, ont continué à travailler pour répondre aux besoins élémentaires de l'ensemble de nos concitoyens. Comme vous le rappeliez, Guy Sergenton, avec mon équipe et les services municipaux, nous avons tout mis en œuvre pour assurer la protection des Rouennais, pour livrer des masques bien avant le 11 mai, pour lutter contre la pandémie, avec des directives et des instructions souvent floues, voire contradictoires. Nos actions ont été saluées et ou réalisées à la demande des instances médicales locales ou des Rouennais inquiets pour leur santé. Leur complémentarité a permis de limiter la diffusion du virus, et c'était bien l'objectif recherché. Aujourd'hui, si la situation sanitaire semble s'améliorer nettement, sur le plan local comme sur le plan national, le retrait progressif du coronavirus va laisser cependant la place à une véritable crise économique et sociale. Les plaies de ces 2 mois de confinement sont nombreuses, importantes, profondes, et mettront sans doute plusieurs années à se refermer. Économie à l'arrêt, entreprises en difficulté, voire en faillite, chômage partiel, perte de revenus, licenciement. Les conséquences économiques de la pandémie sont immenses pour tous les secteurs d'activité et dans tous les pays. D'ailleurs, certains acteurs économiques sont toujours à l'arrêt. Je pense bien évidemment aux bars, aux restaurants, mais également au secteur du spectacle, de la culture, de l'événementiel ou aux gérants d'équipements sportifs. Le paysage économique du mois de mars que je vous dressais il y a quelques minutes est désormais tout autre. Et il nous appartient en tant que puissance publique de soutenir notre économie et nos emplois. C'est pourquoi, et vous le savez, j'ai avec Rouen Agglomération mis en place un fonds d'urgence à destination des acteurs économiques les plus fragiles, doté de 5 millions d'euros, permettant ainsi aux artisans, aux petits commerçants, aux très petites entreprises, entrepreneurs individuels, victimes économiques de Covid-19, de percevoir, en plus des subventions nationales ou régionales, une aide locale. C'est inédit et nous sommes parmi les seuls de France à avoir instauré une telle aide avec une telle ampleur. D'autres mesures d'accompagnement à destination des commerçants ont été ou seront prochainement prises par la ville de Rouen. Suppression de l'occupation du domaine public sur l'année 2020, extension du droit de terrasse gratuit n'en sont que quelques exemples. Vous l'aurez compris, la crise économique que nous connaissons va d'une part s'amplifier et d'autre part durer. Notre pays n'aura jamais connu une telle situation, une telle récession depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est dire l'ampleur du désastre. C'est la raison qui m'amène aujourd'hui à demander à chaque Rouennais de faire bloc, de rester unis et solidaires pour prouver une nouvelle fois toute la noblesse de la politique qui, si elle est bien menée, est capable de grandes choses pour redresser une situation des plus sombres. L'ensemble des plans de relance européens, nationaux, régionaux, départementaux et locaux seront bien évidemment les bienvenus pour amortir le choc économique et le choc social qui sera directement lié. Chacun, à son niveau, doit prendre ses responsabilités et sa part d'effort à la reconstruction de notre économie. Nos collectivités ne seront pas épargnées et seront elles aussi soumises à rude épreuve. Les pertes pour la ville de Rouen s'élèveront pour l'année 2020 à probablement près d'1 500 000 euros. Dépenses nouvelles non prévisibles, recettes en baisse. Au-delà de l'aspect financier, qui pourrait être géré grâce à l'excellente santé financière de notre ville, comme de notre agglomération, l'ensemble des actions et des projets en cours ou à venir sont ou seront impactés. Retard, réorientation, réorganisation.
J'en veux pour preuve le retard pris dans de nombreux chantiers, tels que la rénovation des voiries ou celui de la réhabilitation des bords de Loire. Les livraisons sont décalées de 3 à 8 mois et parfois plus, compte tenu de la nécessité de tenir compte des saisons pour les plantations. Les actions en cours, comme par exemple l'opération Foch-Sully, sont aussi directement impactées par la brutale morosité du climat économique. Frilosité des investisseurs, plus préoccupés, et c'est légitime, par le jour même que par des projets à court ou moyen terme. Séisme commercial, dû à la fermeture des commerces pendant 2 mois, avec pour conséquence la disparition d'enseignes nationales à prévoir et la fermeture pure et simple de nombreuses chaînes ou d'indépendants, malheureusement. Les cartes se rebattent. Les paramètres économiques, sociologiques, sociétaux et comportementaux ont fondamentalement évolué en seulement quelques semaines. Le monde de l'après-Covid sera bien différent de celui que nous connaissions il y a encore quelques semaines. Et une chose est certaine, il faudra de la clairvoyance et du courage pour piloter nos administrations dans la tempête qui s'annonce. Le mandat qui s'ouvre aujourd'hui sera donc bien différent de celui que nous avions imaginé et construit depuis plusieurs mois. C'est ainsi, nous devons nous y adapter. Mais nous ne nous déroberons pas devant nos responsabilités, comme nous l'avons prouvé depuis 2014 et encore plus depuis le mois de mars. Nous tiendrons nos engagements. Ils prendront probablement plus de temps pour certains, écouteront peut-être davantage, mais ils se feront. Il est important, somme toute, de garder espoir et de faire preuve d'optimisme. Roanne est grande, Roanne est forte, Roanne est solidaire et généreuse, et notre ville possède de nombreux atouts qui, j'en suis convaincu, faciliteront la reprise. Avec mes équipes, comme avec les services municipaux, nous sommes sur le pont, et vous pouvez compter sur notre détermination et notre volonté d'agir vite et d'agir fort pour remettre notre ville sur la dynamique du développement. Le projet municipal, largement plébiscité par les Rouennais et auquel nous nous attelons à mettre en place avec mon équipe, s'articulera autour de 4 axes. L'emploi et le développement économique, l'écologie et le développement durable, le mieux vivre ensemble, la sécurité. La création d'emplois reste notre priorité car elle seule permet l'émancipation et l'autonomie des Rouennais. L'emploi est la première des aides que nous devons apporter à une personne en difficulté. L'emploi aide à l'insertion sociale. L'emploi permet de nourrir sa famille et redonne confiance en soi et en l'avenir. Nous ne lâcherons rien dans ce domaine et dans le contexte économique pour le moins morose que je viens d'évoquer, nous redoublerons d'efforts pour favoriser le développement, l'implantation et la création des entreprises. L'écologie sera également au cœur de notre action. La crise du Covid-19 et notamment les mesures de confinement nous ont montré combien, en l'espace de quelques semaines seulement, la nature reprenait ses droits. Amélioration de la qualité de l'air et de la qualité des eaux ont été des conséquences directes d'une activité humaine ralentie. Mais au-delà de l'aspect purement environnemental, de nouveaux modes de consommation, priorisant notamment les produits locaux et le réemploi, se sont fait jour. Une société davantage basée sur l'entraide et la bienveillance a émergé plus fortement. Espérons que cette prise de conscience ne dure pas le temps d'un feu de paille. C'est pourquoi notre volonté et notre engagement d'agir sur le mieux vivre ensemble prend encore plus d'ampleur que nous l'imaginions. Notre action dans les domaines de l'éducation, avec la création d'une école intergénérationnelle, par exemple, en direction des aînés, avec la création d'un nouveau club senior en matière sociale, avec une action plus proche et plus directe auprès des publics en difficulté, dans le domaine associatif, avec la réhabilitation de locaux, dans le secteur de l'habitat, avec la rénovation des logements de fer ou la création de plusieurs unités de vie spécialement adaptées aux seniors, en matière culturelle, avec l'important projet de réhabilitation-construction du musée ou en direction des sports avec l'extension du stade Griffon ou du skatepark, pour ne citer que quelques exemples, permettra de renforcer le lien qui unisse les Rouennais. En 2026, et c'est notre objectif, nous n'en avons pas changé,
Roanne doit devenir la ville la plus dynamique de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans sa catégorie. En 2026, Roanne sera une ville plus moderne, mais à taille humaine, une ville où il fait bon vivre, une ville plus sûre, plus sereine, une ville plus verte, plus bleue, une ville qui aura regagné des emplois et, je l'espère, des habitants. Vous l'aurez compris, notre volonté d'agir partout et pour tous demeure. Aucun quartier de Roanne ne sera oublié. Aucun habitant de Roanne ne sera oublié. Comme nous le faisons depuis 2014 et comme nous l'avons fait durant la campagne électorale, nous mettrons les Rouennais au centre de nos réflexions et de nos actions. Nous les consulterons et nous les associerons à la politique municipale via les conseils de quartier, les réunions publiques ou le budget participatif. Avec mon équipe, nous nous sommes engagés, nous tiendrons là encore nos engagements. Avant de conclure mon propos et de procéder à l'élection des adjoints, je souhaiterais remercier une nouvelle fois tous les Rouennais qui nous ont fait confiance. Nous avons besoin d'eux, car c'est en eux que nous puisons notre détermination. Je souhaite également avoir une pensée pour l'équipe qui a cessé ses fonctions le 18 mai et qui, 2014, c'est un plus long. Ils n'ont compté ni leur énergie pour partir de la modernisation de la cité. Ils ont fait du bon travail. Ils peuvent être fiers d'avoir remis notre ville sur les rails du marrage économique. Je souhaite bon courage et un vif succès à l'équipe qui m'accompagne désormais, la mise au travail, pour préparer dans les meilleures conditions le mandat qui s'ouvre aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui 32 élus du groupe majoritaire, Roanne passionnément, autour de la table. Et je n'oublie pas nos 7 autres colistiers qui nous ont accompagnés durant la campagne et qui, je le sais, sont comme beaucoup de Rouennais et de nos proches déçus de ne pas être présents aujourd'hui. Ils sont derrière leur ordinateur et je les salue chaleureusement. Enfin, je souhaite la bienvenue aux élus des groupes minoritaires qui font leur entrée au conseil municipal ou qui ont été renouvelés dans leurs fonctions. Mesdames et messieurs de l'opposition, j'ai été élu d'opposition un mandat à Riorges et 2 mandats à Roanne. Je connais ce rôle dans ses moindres détails et j'ai toujours exercé avec respect, et je l'ai toujours exercé avec respect, même si c'était aussi dans la clarté et la franchise. L'opposition, comme il est coutume de le dire, ne doit pas être là que pour s'opposer systématiquement, aveuglément, voire dogmatiquement, aux décisions prises par la majorité. Et j'attends de vous, mesdames et messieurs, que vous soyez force de proposition et que vous ayez une attitude responsable avec un esprit constructif. C'est comme cela que nous ferons du bon travail pour les Rouennais. L'heure est maintenant effectivement au travail, car seul le travail et l'engagement permettent d'obtenir des résultats rapides et concrets qui serviront notre ville et ses habitants. Je vous remercie et je vous propose de procéder à l'élection des adjoints. Monsieur Besson, vous avez demandé la parole. Mettez en fonctionnement votre micro, c'est fait, je vous remercie. Et si vous pouvez vous lever, ça permettra à la caméra de vous voir. Oui, je vais faire ça, merci. Je souhaitais du coup prendre une première prise de parole introductive qui va un peu répondre aux souhaits que vous avez émis concernant l'opposition juste ici et rappeler le cadre dans lequel on s'inscrit, notre présence ici, les raisons pour lesquelles on est là. Je vais essayer de me lever un peu plus et peut-être de prendre ça, voilà, ça ira bien comme ça. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillères et conseillers municipaux, mesdames, messieurs, l'élection municipale, c'est l'élection d'une liste, c'est l'élection de la représentation de la commune au conseil municipal. Mais depuis 1884, rappelons qu'en France, c'est le conseil municipal qui est décisionnaire en matière de vie locale et qui a à gérer et à prendre les décisions afférentes aux affaires de la commune et pas seulement le maire. C'est pour cela que nous, conseillers municipaux, réaffirmons ici notre attachement aux valeurs de la charte du collectif 88%. Pour nous, il est indispensable de changer notre rapport au pouvoir. Par qui et comment les décisions sont-elles prises ?
Nous pensons qu'une ville appartient à toutes celles et tous ceux qui la font vivre, qui l'habitent. Et à ce titre, nous considérons qu'il est légitime de redonner du pouvoir à chacun, à chacune. Les projets et les grandes décisions doivent être initiés, construits et validés par les citoyennes et les citoyens. Voici quelques éléments de constat, en sus des éléments précités par Monsieur le maire, qui guideront aussi notre action au conseil municipal. 80% des insectes disparus, 400 millions d'oiseaux en moins de 40 ans en Europe, dont 30% dans les 15 dernières années en France, 88% de déclin des grandes espèces de poissons d'eau douce, 60% des populations d'animaux sauvages sont anéanties. En France, un département est artificialisé tous les 5 ou 6 ans. L'estimation du nombre annuel de morts par an à cause de la pollution est de 700 000 humains en Europe. 25 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde, pendant que 40% de la production alimentaire mondiale est jetée. D'ici la fin du siècle, 74% de la population mondiale pourrait être soumise à des températures non supportables pendant plus de 20 jours consécutifs. 500 millions à 1 milliard de réfugiés climatiques seront en mouvement d'ici 2050. Rappelons aussi que les 10% les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres du monde. Face à ces réalités générées par les crises du système capitaliste et démontrées, comme nous venons de le voir, par le monde scientifique, nous souhaitons promouvoir l'entraide, les solidarités, l'empathie et les adaptations progressives. Ces actions et attitudes sont nécessaires à la transition et l'entrée en résilience et indispensables dans ce monde en profonde mutation, qui plus est dans la situation actuelle. La Covid-19 n'est pas une malédiction naturelle. Si le virus est d'origine animale, la déforestation et la mondialisation des échanges sont entièrement responsables de sa transmission à l'homme et de sa rapide dispersion planétaire. Cette pandémie vient après le SRAS, Ebola, H1N1, et si rien ne change, il y en aura d'autres. Ce que nous venons de vivre n'est que la répétition générale à l'échelle 1/1000 de ce qui nous attend avec le réchauffement climatique. 20% de la population mondiale capte 80% des ressources planétaires. Les 1% les plus riches possèdent plus de 2 fois la richesse de 6,9 milliards de personnes. Voilà le présent et le futur promis par le système capitaliste à l'œuvre depuis des décennies. La lutte est inégale face aux puissants de ce monde, mais elle est indispensable et elle se joue à l'échelle mondiale comme locale, car elle a prise dans les territoires et dans nos vies. Au fil de chaque année, les inégalités et désastres environnementaux s'accentuent autant que les fortunes de quelques intérêts particuliers. Les exigences de la transition écologique et de la justice sociale sont intimement liées. Chaque vie compte. Nous affirmons que Roanne et l'agglomération doivent s'inscrire dans une vision solidaire et digne en luttant contre la pauvreté et la précarité. Nous pensons qu'une ville appartient à toutes celles et tous ceux qui la font vivre, qui l'habitent, et à ce titre, nous reconnaissons à tout habitant de toute origine, de toute situation, le droit d'être incluse, intégrée, insérée dans la communauté et donc de participer à son amélioration. Le droit de pouvoir être logé décemment, le droit de pouvoir se nourrir et se vêtir, le droit à un accès réel aux soins, à un égal accès à la culture, d'être traité dignement et de voir son humanité reconnue, quelle que soit son origine, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit son handicap. Nous nous engageons à toujours agir pour faire respecter ces droits primordiaux nécessaires à l'émancipation. Pour nous, cela signifie qu'une politique municipale inclusive et résiliente doit avoir comme objectif de porter et de participer à la transformation rapide du territoire, alimentation, emploi, logement, déplacement, santé, etc. D'implication d'un vivier associatif, d'accepter des propositions, des innovations et de s'appuyer sur une force collective. Il faut impliquer l'ensemble des Rouennais dans cette transformation de la ville. Enfin, d'arrêter la course à la croissance dans un monde fini, d'arrêter la compétition des territoires pour tendre vers la coopération. Un nouvel indicateur est donc à inventer pour évaluer les changements apportés à la société. Par conséquent, nous soutiendrons les initiatives de la majorité qui vont dans ce sens, mais nous serons là pour rappeler qu'elles ne peuvent se réduire à un saupoudrage écologique et social. Les petits pas ne se suffisent pas. Un aménagement urbain, toujours centré autour de la voiture, ne résoudra rien. Nous avons été tous élus dans des circonstances particulières. La liste Roanne passionnément a eu la majorité des suffrages exprimés, mais seulement 35% des inscrits sur la liste électorale se sont déplacés. La liste Roanne passionnément a donc approuvé sa légitimité à gérer la ville de Roanne pour tous les Rouennais.
Nous resterons une opposition collective et constructive pour tout le mandat. Une opposition groupée, au-delà de trois représentants, capable de construire des projets, proposer des orientations, d'agir et travailler pour l'intérêt général dans un contexte sans précédent qui implique des choix difficiles et la fin du toujours plus, toujours plus grand. Nous, conseillers municipaux de la ville de Roanne, nous sommes prêts à nous mettre au travail pour le service de la ville comme nous l'avons fait lorsque nous avons signalé les risques sanitaires de la réunion d'installation du conseil municipal dans le cadre du confinement début mars. L'inutilité de la désinfection des rues confirmée encore récemment par l'OMS et entraînant des risques sanitaires et environnementaux, ou encore participer à la solidarité locale pour de nombreux exclus. Nous saurons nous opposer quand les décisions ne nous semblent pas adaptées et nous saurons soutenir et reconnaître les mesures qui nous paraissent justes, comme celles qu'a cité, comme certaines qu'a su présenter Monsieur le maire tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'empêcher le travail du conseil municipal, mais de l'enrichir. Nous voulons souligner que le collectif municipal 2020-2026, garant de la gestion de la ville, sera responsable devant les jeunes générations pour tous les enjeux de la transition écologique, démocratique et sociale qu'il est urgent de mettre en place. Je vous remercie pour le collectif 88%. Madame Dumoulin, vous avez souhaité prendre la parole, je crois. Oui, monsieur le maire, en effet. Bon, la situation n'est pas très confortable, mais nous ferons avec. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les futurs adjoints, puisque nous n'avons pas encore procédé au vote, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Alors nous commençons aujourd'hui un long chantier de 6 ans, et que nous soyons élus de la majorité ou des différentes oppositions, eh bien, nous nous engageons tous pour un travail rigoureux au service de notre ville et de tous ses habitants. Alors, nous pouvons revenir un instant sur le 15 mars dernier. C'est vrai que le 15 mars dernier, nous avons tous été élus et la majorité d'entre vous, ce soir-là, a fêté sa victoire. Mais, nous le dirons tous ensemble, la victoire n'était pas celle de la pleine expression de la démocratie. L'abstention massive n'était sûrement pas à la hauteur de l'enjeu démocratique. Alors depuis dix semaines se sont écoulées, 10 semaines de mise à l'épreuve de nos existences, qui se sont vues bouleversées pour certains, simplement bousculées pour d'autres. Mais nous avons surtout observé les limites qui nous étaient communes et que nous n'avions pas tous forcément mesurés. Alors je sais, monsieur le maire, par expérience, je sais, monsieur le maire, que vous n'appréciez pas vraiment mes remarques grammaticales et lexicales, mais une s'impose aujourd'hui. Que signifie confiner ? Justement, confiner signifie toucher aux limites. Oui, nous avons touché aux limites d'une société qui, au nom de la rigueur budgétaire, a fermé les lits d'hôpitaux. D'une société qui, face à la précarité, n'a pas voulu envisager de nouvelles formes de solidarité. Une société qui lutte contre le chômage en traquant les fraudeurs au RSA. La crise sanitaire a montré le besoin de tous à être protégés, à être considérés. Elle avait révélé l'importance des services publics de la santé, de l'éducation, de la protection sociale. Nous en étions convaincus et nous continuerons à défendre, au cours du mandat qui s'ouvre aujourd'hui, ces convictions qui sont les nôtres. Alors aujourd'hui, évidemment, chacun imagine le monde d'après, comme si cette crise sanitaire était une sorte de boîte de Pandore qu'un monde imprudent et borné aurait ouverte, laissant s'échapper des mots M-A-U-X, jusqu'alors inconnu. Mais en réalité, tout était déjà là sous nos yeux. La crise sanitaire se contente d'exacerber les difficultés parfois extrêmes que connaissent depuis trop longtemps certains de nos concitoyens, et on ne mesure pas encore, vous l'avez dit, monsieur le maire, les conséquences sociales et économiques à venir. Alors, dans un courrier que vous m'avez adressé pendant le confinement, puisque nous avons communiqué pendant ce confinement, vous avez écrit « L'heure est à l'action, le temps du bilan viendra ».
Mais monsieur le maire, ne nous trompons pas. Face à cette crise, l'action est là qui vous attend. Alors nous, élus de la liste à gauche pour Roanne, nous continuerons à défendre notre vision de la ville, qui peut se décliner en 3 points. Comme nous l'avons proposé aux Rouennais pendant cette campagne, nous voulons, dès demain, une ville plus solidaire. Vous le savez, certaines municipalités, comme Chambéry, qui d'ailleurs n'est pas une municipalité de gauche, dans cette crise, certaines municipalités n'ont pas hésité à débloquer des aides pour soutenir les familles les plus fragiles. Monsieur le maire, vous m'avez soutenu, il y a peu de temps, que les familles les plus fragiles, habituées à un tarif de cantine scolaire à 3 euros, pouvaient aisément faire face aux frais qu'engendre l'alimentation à la maison, et que les familles touchant les minima sociaux n'avaient, dans cette crise, pas perdu de pouvoir d'achat. Alors, monsieur le maire, même si ces propos ne relèvent pas, je dirais, du manquement moral, ils participent à une vision cynique de la politique qui n'est pas la nôtre et que nous combattrons. Oui, nous voulons une politique sociale volontariste pour les habitants de notre ville. Et nous espérons, dès aujourd'hui, que la rentrée scolaire en septembre à Roanne se passe sous le signe du soutien à l'ensemble des familles rouennaises. Aujourd'hui, les demandes sont nombreuses, nous le savons, en termes d'aide alimentaire. Il suffit de contacter les associations pour le savoir. Nous devrons y répondre avec efficacité et de façon pérenne pour toutes celles et ceux qui connaissent des fragilités dans notre cité. Nous continuerons à défendre cette position au CCAS. Est-il nécessaire, monsieur le maire, de rappeler aujourd'hui le taux de pauvreté dans notre ville ? Nous voulons aussi, dès demain, une ville et un territoire plus engagés pour l'emploi. Les propositions que nous avons soutenues il y a quelques semaines et que nous continuerons à défendre ont, je dirais, trouvé un éclairage nouveau face à la crise sanitaire. Nous devrons développer un tissu industriel dynamique, vertueux en matière de formation des salariés et ambitieux sur la question environnementale. Nous continuerons à soutenir des formations de qualité et des emplois durables qui s'inscrivent dans la dignité et l'émancipation de chacun. Face à la crise économique qui s'annonce et pour répondre à l'inévitable mutation environnementale, nous soutiendrons la voie de la localisation et de la relocalisation sur notre territoire. Enfin, et nous sommes très attachés à ce point, nous voulons une ville rigoureuse en matière de pratiques démocratiques et de vie citoyenne. Monsieur le maire, vous le savez, les associations rouennaises doivent se relever, elles aussi, de la crise qui nous traverse. Elles sont la colonne vertébrale de la cohésion sociale et de l'expression de notre citoyenneté. Et il faut qu'on le dise, elles assurent au quotidien l'inclusion de chacun. Nous espérons que vous saurez répondre à leurs difficultés. Nous ne doutons pas, dès aujourd'hui, que vous êtes au travail sur cette question. Élus, nous resterons aussi vigilants pour que la pratique démocratique connaisse une ligne de conduite irréprochable, sans faille, qui s'inscrive définitivement dans le respect de notre vie républicaine. J'ai fait référence à l'instant à Pandore et sa boîte, figure mythologique qui condamne les hommes à la souffrance. Mais savez-vous, monsieur le maire, que dans cette boîte, ou plutôt dans cette jarre, il y avait l'espérance qui était dans cette boîte de malheur. Et oui, chez les Grecs anciens, l'espérance est une sorte de résignation, une attente insoutenable. Alors, monsieur le maire, cessons d'espérer et agissons, car, comme le disait Albert Camus, vivre, c'est ne pas se résigner. Alors, je profite de cette prise de parole pour adresser un salut fraternel aux femmes et aux hommes qui nous ont accompagnés dans la campagne des municipales, et surtout aux Rouennaises et aux Rouennais qui, en nous faisant confiance, ont choisi de ne pas se résigner. Nous serons, pendant ce mandat, à la hauteur de leurs convictions communes. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur Iacovella, souhaitez-vous dire un mot ? Oui. Merci, monsieur le maire. La,
la crise de la pandémie qui s'est abattue sur le monde a révélé les vulnérabilités de notre organisation sociale, de notre organisation économique. Ce sont ces vulnérabilités qui sont mises en avant et qui montrent qu'il y a avant tout une forme d'interdépendance entre l'action au plus haut niveau, qui est celle de l'État, et celle des échelons intermédiaires, des régions, des départements et des villes. Cette interdépendance a été mise en avant, elle n'est pas négociable, c'est bien l'ensemble qui doit fonctionner. De la même manière que c'est l'action du secteur public conjuguée à celle du secteur privé qui ont permis et qui permettent aujourd'hui de faire face. C'est là aussi, ensemble, c'est que ça participe réellement de ce que nous pouvons faire, de la même manière que les actions individuelles, celles que vous avez soulevées, les actions des bénévoles d'entraide et de bienveillance, ont permis effectivement de relever le défi. En ce qui me concerne, puisque je suis seul à représenter ici la liste Réussir Roanne, mon opposition sera une opposition constructive tout au long du mandat. Mon engagement restera dans l'axe des thématiques qui ont été évoquées le long de la campagne, en particulier celle d'un axe en direction des solidarités, de lutter contre toutes les formes de précarité et d'isolement, de repenser donc la question des mobilités tant au niveau de la ville qu'au niveau de l'agglomération et participant donc de la transition écologique. Et enfin, sur la question économique, les accents que nous avons eu l'occasion de débattre autour des questions des formations, du développement économique et en particulier d'une filière innovation autour du sport. Je terminerai sur les questions de la démocratie. Toutes les propositions de développer les nouvelles formes de participation seront proposées, en tout cas, et engagées, en particulier par de nouveaux moyens des civic tech, donc des plateformes collaboratives en ligne. Voilà, donc mon opposition ne sera pas une opposition d'obstruction, sera une opposition réellement constructive dans la mesure où j'aurai des choses à proposer. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous devons maintenant procéder donc à la fixation du nombre des adjoints. En application de l'article L. 2122-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer de 11 adjointes au maire. Elle doit disposer au minimum d'un adjoint. En application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 11 adjoints plus 3 adjoints de quartier. Au vu de ces éléments, il est proposé donc de fixer à 14 le nombre des adjointes au maire. Et je soumets donc cette approbation à votre vote. Que ceux qui souhaitent adopter la possibilité d'élire 14 adjoints veuillent bien lever la main. Y a-t-il des abstentions ? Une abstention. Des oppositions ? Alors, 3 abstentions et des oppositions. Je vous remercie. Nous allons donc procéder à l'élection donc de 14 adjoints. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rayer sur la liste un nom. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. La liste des adjoints est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Aucune disposition n'impose que le maire et sa première ou son premier adjoint soient de sexe différent. Il est rappelé que la convocation à ce conseil municipal précisait qu'une liste des candidats aux fonctions d'adjoint devait être proposée
et que l'ordre des élus sur la liste était l'ordre des adjoints, avec la précision quant aux adjoints de quartier. Je vous indique que j'ai déposé une liste et je demande s'il y a d'autres listes de candidats. S'il n'y en a pas, nous pouvons procéder donc à l'élection sans vote, donc des adjoints. Ainsi, Monsieur Condette, on fait le tour, donc avec vote. Avec vote, pardonnez-moi, je me suis trompé. Donc, je vais donc proposer la liste des adjoints suivants et qui sera soumis donc à un vote avec passage de l'urne avec Alexandre Grange et ensuite dépouillement. Je propose Madame Clotilde Robin comme première adjointe, Monsieur Lucien Murzy comme deuxième adjoint, Madame Sophie Rodkoff, troisième adjointe, Monsieur Jean-Jacques Banchet, quatrième adjoint, Madame Corinne Troncy, cinquième adjointe, Monsieur Fabien Lambert, sixième adjoint, Madame Catherine Dufossé, septième adjointe, Monsieur Gilles Passot, huitième adjoint, Madame Fanny Fenoux, neuvième adjointe, Monsieur Pascal Lassène, dixième adjoint, Madame Marie-Laure Dana-Burnichon, onzième adjointe, Monsieur Edmond Bourgeon, douzième adjoint de quartier, Madame Hélène Lapalu, treizième adjointe de quartier, Monsieur Christophe Pion, quatrième adjoint de quartier. J'appelle donc chacun à préparer donc son bulletin de vote et ensuite à le déposer dans l'urne qui va arriver. Et Monsieur Grange va donc commencer, s'il le veut bien, par moi. Merci. Madame, Monsieur Grange, a-t-il voté ? Il le fait. Ensuite, Madame Robin a voté. Monsieur Murzy a voté. Madame Rodkoff a voté. Monsieur Banchet a voté. Madame Troncy a voté. Monsieur Lambert a voté. Madame Dufossé a voté. Monsieur Passot a voté. Madame Fenoux a voté. Monsieur Lassaigne a voté. Madame Dana-Burnichon a voté. Monsieur Bourgeon a voté. Madame Lapalu a voté. Monsieur Pion a voté. Madame Lougraieb a voté. Monsieur Sergenton a voté. Madame Brun a voté. Monsieur Dorange a voté. Madame Promalet a voté. Madame Bernier a voté. Monsieur Brasseur-Minard a voté. Madame Loupou Bratilo-Véanou a voté. Madame Petit a voté. Monsieur Nuiba a voté. Madame Barban a voté. Madame Redeuil a voté. Monsieur Rivolier a voté. Monsieur Bost a voté. Madame Fadloun a voté. Monsieur Guillermin a voté. Madame Chevillard a voté. Monsieur Gerbeau a voté. Monsieur Besson a voté. Monsieur Vanek a voté. Madame Dumoulin a voté. Madame Riamon a voté. Monsieur Iacovella a voté. Je demande à Madame Fadloun de bien vouloir rejoindre la table de dépouillement, ainsi que Monsieur Grange. Ils vont procéder donc au dépouillement.
Je rappelle que c'est un scrutin de liste, donc on énoncera la liste Juan passionnément et non pas tous les noms sur les bulletins, sinon ça nous prend la journée. Juan passionnément. 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 Bulletin vide. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin vide. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Juan passionnément. Enveloppe vide. Juan passionnément.
Juan, passionnément. Juan, passionnément. Et Juan, passionnément. Bien, je dois donc proclamer donc les résultats. Donc, concernant l'élection de la liste des adjoints, nombre de votants 39, bulletin nul, il y a marqué 3, non ? 0, pardon, 0 bulletin nul, bulletin blanc 7, suffrage exprimé 32, majorité absolue 20, la liste Rouen passionnément 32 voix. Je vais donc proclamer donc les résultats et vous donner donc la liste des adjointes au maire qui sont immédiatement installées dans leurs fonctions. Sont élues Madame Clotilde Robin, première adjointe. Elle disposera d'une délégation générale et sera spécialement habilitée sur les actions d'habitat social. Monsieur Lucien Murzy, deuxième adjoint, sera en charge de l'urbanisme, des travaux, des bâtiments et de la vidéoprotection. Madame Sophie Rodkopf, troisième adjointe, sera en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des affaires commerciales, ainsi que des animations. Monsieur Jean-Jacques Banchet, quatrième adjoint, sera en charge de la culture, de l'international et de l'événementiel. Madame Corinne Troncy, cinquième adjointe, sera en charge des affaires sociales, de la politique de la ville et du CCAS. Monsieur Fabien Lambert, sixième adjoint, sera en charge de l'état civil, du funéraire, des élections, des affaires juridiques et des anciens combattants. Madame Catherine Dufossé, septième adjointe, sera en charge des affaires scolaires. Monsieur Gilles Passot, huitième adjoint, sera en charge des sports. Madame Fanny Fenou, neuvième adjointe, sera en charge des ressources humaines. Monsieur Pascal Lassaigne, dixième adjoint, sera en charge de l'environnement, de la propreté, des parcs et jardins. Madame Marie-Laure Dana-Burnichon, 11e adjointe, sera en charge du secteur associatif. Monsieur Edmond Bourgeon, 12e adjoint, sera en charge de la sécurité, de la tranquillité et de la santé publique. Madame Hélène Lapalu, 13e adjointe, sera en charge de la jeunesse, du conseil municipal des jeunes et du conseil municipal d'enfants. Monsieur Christophe Pion, 14e adjoint, sera en charge des finances et des nouvelles technologies. Je vais inviter chacun d'entre eux en l'appelant, donc pour lui remettre son écharpe de façon symbolique. Madame la première adjointe, Madame Robin. Félicitations. On peut l'applaudir. Monsieur Lucien Murzy. Madame Sophie Rodkopf. Monsieur Jean-Jacques Banchet. Madame Corinne Troncy. Monsieur Fabien Lambert. Madame Catherine Dufossé. Monsieur Gilles Passot.
Madame Fanny Fedoux. Monsieur Pascal Lassaigne. Madame Marie-Laure Dana Burdichon. Les glands se mettent à gauche, le bleu près du col. Monsieur Edmond Bourgeon. Non. Madame Hélène Lapalu. Voilà. Je sais pas, il est... Et monsieur Christophe Pion. Je dois maintenant procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Et je vous demande d'y être attentif. En effet, l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre qui est dans votre dossier que vous avez reçu. Article 1 de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avec le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, article 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Nous devons signer les documents électoraux. Des deux procès-verbaux ainsi que les documents annexes doivent être signés par moi-même, M. Sergenton, M. Grange, Mme Fadloun. Je les invite à me rejoindre à la table pour signer. Monsieur Sergenton, c'est fait. Je suis en rose, moi. Merci.
Nous avons 8 délibérations donc à approuver. Enfin, pardon, 7 délibérations et un compte-rendu. Vous savez qu'entre chaque conseil municipal, le maire se doit de rendre compte des décisions que vous lui avez données par délégation en tant que maire et qu'il a prises. Donc le dernier conseil municipal datant d'avant les élections, je me dois de rendre compte au conseil municipal d'un certain nombre de décisions. Je rappelle que vous avez reçu toutes ces décisions afin de ne pas rentrer dans le détail, sauf s'il y avait des questions particulières. Donc il y a eu des décisions en matière de commande publique, en matière donc de propriété communale, en matière d'assurance, de voirie, en matière d'environnement, d'habitat, en matière donc de finances, bien évidemment, et également qui touche aux services funéraires publics. Je considère que vous avez été informé donc de ces décisions que vous avez reçues et dont je vous ai donc ainsi donné compte rendu. Je me dois maintenant de vous demander d'approuver les délégations de pouvoir au maire. L'article L21-22-22 du Code général des collectivités dispose que le conseil municipal peut, par délégation spéciale, autoriser monsieur le maire à régler un certain nombre d'affaires. Ah, pardonnez-moi, je ne vous ai pas vu. Madame Riamont, que se passe-t-il? Ah, madame Dumoulin, que se passe-t-il? Oui, permettez-moi de revenir sur la décision numéro 2020-43. Bah écoutez, on est ravis, quoi. On est vraiment ravis parce que vous prenez une décision concernant l'éco-pâturage. Alors, comme on ne l'avait pas vu, ce dispositif-là, ni dans votre mandat d'avant, dans votre programme donc de 2014, ni dans celui-ci. Et puis, comme on voit que vous allez piocher les bonnes idées eh bien, dans les propositions des autres listes, moi, je suis ravie, voilà, franchement. Je tenais à vous le dire, je trouve que ça commence sous un bon signe, ça. Moi, je suis vraiment contente. Merci, monsieur le maire. Alors, pour votre information, cette décision a été prise bien avant les élections. Et donc, courant de l'année, peut-être même 2018. Et nous avons ainsi rue Général Giraud à côté de la clinique, donc clôturé, vous avez pu le voir ces dernières semaines, donc l'espace enherbé. Et plutôt que de le tondre régulièrement, eh bien, nous avons décidé de passer une convention avec un agriculteur pour y mettre des moutons. Espérons tout simplement que les moutons y restent, qu'ils ne disparaissent pas. Voilà, donc je ne sais pas si cette idée a été piochée dans votre programme, parce que je n'ai pas eu l'impression de le voir, mais en tout cas, elle avait été décidée, pardonnez-moi, bien avant. N'essayez pas de vous attribuer des mérites que vous n'avez pas forcément. Madame Riamont, non, Madame Chevillard, pardonnez-moi. Je voyais deux têtes blondes, une levait la main. Allons-y, madame. Allez, madame Chevillard. Merci. Simplement une petite question. Enfin, je suppose que dorénavant, on va recevoir ce genre de documents sous forme dématérialisée. Oui, madame. Mais je me posais la question, est-ce qu'il y a possibilité, quand on a des pavés de ce genre, de les avoir un peu en amont? C'est-à-dire que 5 jours pour regarder plus de 200 pages, ça fait quand même un peu léger. C'est la loi. Oui, mais bon, je demandais simplement, je sais que c'est la loi, monsieur le maire, mais je demandais simplement s'il y avait possibilité de les avoir un peu en amont ou pas. Chaque fois qu'on le peut, oui, mais après, vous savez que là, la date des conseils municipaux a été retenue tardivement par le gouvernement, et par conséquent, donc, nous sommes dans un extrêmement contraint. Maintenant, il est évident que quand on a les documents préalablement au conseil municipal en amont, nous vous les transmettons. Maintenant, bien évidemment, ils respecteront scrupuleusement la loi avec les délais légaux. De toute manière, avez-vous d'autres questions sur ces décisions avant que nous passions à la délibération numéro 7 ? Bien. Donc, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, que le Code général des collectivités dispose que le conseil municipal peut, par délégation spéciale, autoriser le maire à régler un certain nombre d'affaires dont l'importance est telle que le conseil municipal doit obligatoirement, n'est telle que le conseil municipal doit obligatoirement s'en saisir. Rien de plus, rien de moins que les mandats précédents. Et donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accorder des délégations à monsieur le maire sur la durée du mandat pour les matières suivantes. Donc, vous avez toute une liste qui vous a été transmise. Je crois qu'il y a 29 points donc, de ces listes. Et donc, vous avez eu la totalité de ces listes-là. Avez-vous une question avant le vote? Oui, madame Chevillard. Alors, là, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une intervention que je souhaiterais faire au nom de notre collectif.
oui sur cette délibération-là et pour expliquer notre vote. Alors, notre Ve République est malheureusement caractérisée par une centralisation et une concentration de pouvoir dans les mains d'une seule personne. Cet état de fait, nous l'avons toujours dénoncé à l'échelon national comme à l'échelon local. C'est pourquoi, à la lecture de cette délibération, vous comprendrez, Monsieur le Maire, que notre étonnement est de rigueur. Bien évidemment, nous avons bien conscience du rôle et des lourdes responsabilités qui incombent à un maire. Cependant, il serait beaucoup plus sain pour notre démocratie locale que nous puissions œuvrer ensemble à l'avenir des Rouennaises et Rouennais, la délégation de ces pouvoirs n'étant pas obligatoire. La force d'un collectif, c'était d'ailleurs, je crois, un de vos slogans de campagne. Nous espérons que cela ne restera pas qu'à l'état de slogan. En tous les cas, il y aurait beaucoup à dire sur cette délibération. En effet, habituellement, lors de la plupart des installations des conseils municipaux, ces délégations ne sont qu'une formalité, une délibération rapide et hop, en un claquement de doigts, parfois sans trop savoir ni comprendre pourquoi, voici en tout et pour tout 27 pouvoirs que le Conseil va céder. Comment évaluer les impacts futurs de chacune des délégations sur la gestion démocratique de notre ville ? Dans les délégations qui nous sont proposées, certaines ne méritent-elles pas une clarification quant aux enjeux et répercussions de la session ? Le Conseil municipal est l'instance qui délibère, forte de l'avis et des votes de l'ensemble de ses membres, représentant ainsi l'intérêt de tous les habitants dans leurs diverses sensibilités. Les fondements de la délégation de certains pouvoirs du Conseil municipal au maire reposent sur la recherche de l'efficacité de l'action en prévoyant l'intervention directe du maire. Plus rapide, en effet, être d'accord avec soi-même est assez aisé, là où débattre, faire démocratie est plus long. Nous comprenons bien le principe de cette recherche d'efficacité, mais cela ne doit pas faire perdre de vue que les pouvoirs du maire sont déjà nombreux entre ses responsabilités de chef de l'administration municipale, de représentation de la commune, d'agent d'État et de ses pouvoirs de police. Pourquoi ajouter tant d'autres pouvoirs sur un seul individu ? Pourquoi se démunir, nous, conseil municipal, de tant de pouvoirs pour nous ôter l'obligation de débat sur des arbitrages parfois très importants ? C'est ainsi que la démocratie s'abîme petit à petit et que des barons locaux naissent, tout puissants et influents sur l'ensemble des autres élus de toute tendance politique. C'est ainsi que, loin de la vigilance collective, endormie par la déresponsabilisation et la concentration des pouvoirs, un seul élu peut décider sous influence de lobbies divers, de bonne part de l'action et du destin d'une ville, voire d'une région. Pourquoi ? Bien, discutons-en. Pourquoi un maire pourrait-il à lui seul décider de préempter sur des biens immobiliers et de décider toute modification de biens municipaux ? Pourquoi pourrait-il décider seul des assurances ou des banques avec lesquelles la ville travaille, de décider seul de l'ouverture de classe, d'intenter au nom de la commune des actions en justice, de mettre fin au louage d'un local d'une association sans en parler au préalable en conseil. Rappelons aussi que déléguer ses pouvoirs, c'est non seulement permettre à un seul de décider et d'agir au nom de tous, mais c'est aussi nous ôter à nous-mêmes en tant que conseil municipal le droit de délibérer sur chacune des matières concernées par la délégation donnée. Si demain, vous ou nous souhaiterions, élus de la majorité ou de l'opposition, majoritairement préempter sur un bien dans un des cadres ciblés, ouvrir une classe ou intenter une action en justice, nous ne pourrions tout simplement pas, car la délégation donne l'exclusivité du pouvoir au seul maire. Bref, il n'y a plus qu'à être d'accord avec Monsieur le maire. Aussi, pour tous ces motifs, nous souhaitons que ces délégations fassent l'objet d'informations plus précises et qu'elles fassent chacune l'objet de débats. Être ainsi contraint de toutes les accepter ou les refuser en un seul bloc n'est pas satisfaisant. Pour nous, certaines d'entre elles ne sont pas justifiées et dangereuses. Nous devons en discuter avant de délibérer. Sans différenciation des délégations, nous voterons contre cette délibération unique qui consacrerait un peu plus l'omnipotence d'un seul individu au détriment d'une démarche et d'une responsabilité collective. Madame, vos fonctions électives, vous les tenez d'une liste qui vous a appelé à participer au débat démocratique. Et lorsque nous constituons, par exemple, une liste pour être candidat aux élections, nous faisons des choix, notamment par rapport à l'expérience des uns et des autres, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la commune.
Vous avez une expérience professionnelle. Vous êtes assistante parlementaire d'une sénatrice. Par conséquent, la réglementation, la loi, cela ne doit pas vous échapper. Par ailleurs, vous appartenez à un parti politique qui a exercé des responsabilités ici même, dans notre ville, avec des adjoints. J'ai le souvenir d'un homme tel Serge Feugère, qui était premier adjoint au maire. Par conséquent, le mode de fonctionnement d'une collectivité comme la nôtre, vous ne pouvez l'ignorer. Nous ne faisons ici, dans cette délibération, que reprendre les délibérations antérieures qui ont été en vigueur sous les mandats de Jean Roux, auxquels participait le Parti communiste et qui avaient les mêmes prérogatives. Et comme également le mandat de Madame Desroches, puis le mien, etc., etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en tout cas sous le pavé ou je ne sais où. Il y a simplement, effectivement, des modalités pratiques. Si vous souhaitiez que l'ensemble des décisions qui vont être déléguées soient soumises au conseil municipal, Madame, nous devrions nous réunir en conseil municipal chaque jour. Je dis bien chaque jour, pour prendre des décisions, parce que des décisions se prennent tous les jours. Tout cela est inconcevable et n'a aucun élément pratique. Devrait-on réunir le conseil municipal pour décider d'attribuer un abonnement de téléphone à un agent du service des espaces verts? Non, bien évidemment. Après, vous parlez de concentration de pouvoir, mais il n'en est rien. Nous venons d'élire 14 adjoints. Chaque membre de la majorité municipale disposera d'une délégation que je signerai cet après-midi. C'est-à-dire que ce n'est pas le maire qui décide quand il s'agit d'attribuer un local à une association. C'est d'abord une demande qui est faite par une association, qui est reçue par un service, qui instruit, qui propose des choses à la décision de l'adjoint ou du conseiller municipal délégué. Le maire n'intervient pas, le maire ne signe pas. Il donne justement lui-même délégation de la délégation qu'il va recevoir de ce conseil municipal aux adjoints, aux conseillers municipaux. Et c'est cela qui fait l'efficacité d'une municipalité. Et on ne peut pas faire autrement. Donc je pense qu'il y a un moment où les discours sont effectivement intéressants, où l'utopie peut effectivement avoir sa place, mais là, nous rentrons dans des choses pratiques. Et par conséquent, ce qui est soumis à votre approbation, c'est tout simplement des modalités pratiques pour que la ville fonctionne au quotidien. Si nous devions travailler différemment et ne pas déléguer au maire ses pouvoirs qui lui-même les redélègue aux adjoints et aux conseils municipaux, nous serions dans une municipalité qui serait bloquée, qui ne pourrait pas prendre de décision, qui devrait attendre le conseil municipal. Et je rappelle que je suis aujourd'hui en place depuis donc 2014, où nous fonctionnons, et vous le verrez, avec un conseil municipal chaque mois, pour justement prendre des décisions les plus rapprochées possibles. Mais si nous devions effectivement nous réunir encore plus fréquemment, je ne suis pas sûr que la présence de chacun d'entre nous serait aussi assidue. Par conséquent, le mode de fonctionnement qui est ici à Rouen, qui vous est proposé, est le même que, y compris dans les mairies communistes, il est le même que dans les mairies socialistes, il est le même que dans les mairies gérées par les Verts. Il y a des délégations de pouvoir qui sont données au maire, qui ensuite les répercute à ses adjoints. Je vous remercie en tout cas de cet échange, et ça va nous permettre donc de voter. Un dernier mot, Madame Chevillard, peut-être ? Oui, je ne remets pas en cause un certain nombre de délégations. Je disais simplement, on ne fait pas un emprunt à la commune tous les jours, me semble-t-il. Ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quand même un certain nombre de délégations, me semble-t-il, et je l'ai bien dit dans mon intervention, qui peuvent tout à fait être données aux maires ou aux adjoints, et ça, je ne le remets pas en cause. Mais pour nous, il y a un certain nombre de délégations qui nous paraissent trop importantes pour ne pas être discuté en conseil municipal en préalable et ne pas avoir une décision du maire tomber sur la table. Voilà. Je peux vous répondre directement sur l'emprunt. Un emprunt, lorsque nous lançons d'abord, nous délibérons au budget, et nous aurons une décision modificative du budget prochainement, pour calibrer le volume d'emprunt qui est nécessaire au fonctionnement de la ville. Bien. À partir de là, la municipalité est autorisée à emprunter ou pas d'ailleurs. Ensuite, nous passons des consultations avec les différents organismes bancaires. Mais une fois qu'on a l'offre qui est proposée par les organismes bancaires, nous n'avons que quelques jours pour prendre la décision. Sinon, les taux fluctuent, les conditions ne sont pas les mêmes. Nous avons ici, dans notre assemblée, des gens qui travaillent dans les banques. Et par conséquent, attendre 3 semaines, 1 mois, le conseil municipal suivant pour délibérer, vous perdez l'avantage que vous aviez cru avoir en le faisant. Enfin bref, toujours est-il que la réponse est non. Nous devons effectivement continuer à fonctionner comme ça, parce que c'est comme ça que nous sommes efficaces. Je vous remercie. Alors, Madame Chevillard, je pense que nous avons épuisé le sujet avec vous. Madame Riamont, peut-être. Sinon, nous allons passer la journée à ce que chacun s'exprime sur chacun des points, et ça serait, à mon avis, pas très efficace. Madame Riamont, je vous écoute. Monsieur le maire, mon expression sera rapide et elle est conforme à des votes précédents.
Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Elle est conforme à la loi et vous l'avez rappelé. Néanmoins, nous avons deux propositions à vous faire en matière d'exercice des pouvoirs délégués. Et ceci n'est pas nouveau puisque dans le vote au Conseil communautaire des pouvoirs délégués au président de l'agglomération, j'avais tenu les mêmes propositions. Donc la première proposition consiste à partager un peu plus de ces éléments de décision au sein de la commission de l'urbanisme en recueillant son avis formel sur un certain nombre de points, en particulier les DIA. Et je me félicite que la loi ait évolué déjà aujourd'hui, et c'est sous un gouvernement que je soutenais, monsieur le maire, dans le compte-rendu et le partage un peu plus important des informations concernant l'urbanisme. À cet instant, nous avons un compte-rendu complet de toutes les DIA que vous avez prises, par exemple, et je pense qu'on peut aller plus loin. Ça se fait dans un certain nombre de communes, et pour le coup, aussi bien de droite que de gauche, je tiens à votre disposition quelques exemples. Ma deuxième proposition porte sur le passage des dossiers en CAO. Vous avez habitude, et c'est heureux, de respecter la loi dans ce domaine, mais rien ne vous empêche, monsieur le maire, de faire un choix différent et de passer en CAO pour avis ou pour décision des dossiers d'un montant inférieur à ce que exige la loi. C'est aussi une proposition qu'on peut étudier ici. Donc, dans l'attente de votre réponse et dans l'observation attentive de votre pratique de ces pouvoirs délégués, eh bien, nous nous abstenons, ce qui n'est pas nouveau par rapport à des positions antérieures. J'y vois de la constance, Madame Riamont. Donc, en échange, je vous répondrai que nous resterons constants également. Qui souhaitait la parole ? Monsieur Besson. Élément de clarification par rapport à certaines, justement, des délégations. Sur ce que vous avez dit, simplement, nous, on considère que, quand bien même vous allez retransmettre certains des pouvoirs à vos adjoints, en fait, après, vos adjoints vont avoir la latitude de décider sans qu'on en discute en conseil municipal. Donc, pour nous, ça ne règle qu'une partie de la difficulté. Et en ce qui concerne certaines des délégations, autant on entend très bien qu'il y a des choses qui doivent être déléguées, justement, pour la facilitation du conseil, mais... vous avez donné une réponse au sujet des emprunts, justifiant en tout cas votre positionnement. Il y a d'autres sujets, il me semble, qui ne sont pas de l'ordre de l'urgence. Si on prend l'ouverture d'une classe, pourquoi vous seul devriez le décider et pourquoi on ne pourrait pas en discuter ici avant dans un cadre collectif? C'est-à-dire que si on vous cède cette possibilité, ensuite le débat n'a plus lieu ici. C'est la même chose avec les actions en justice. Alors peut-être moi je n'ai pas cette vision-là et vous allez me dire qu'on ouvre des actions en justice tous les jours, mais pourquoi vous seul devriez décider de qui on poursuit ou pas, de là où se porte la ville, etc. Voilà, et donc il y a quand même quelques délégations comme ça, où, sans remettre en question le fait de la délégation de certains pouvoirs au maire, on pense qu'il y a possibilité d'en garder quelques-unes importantes ici. Et effectivement, il est de fait que dans beaucoup de communes, c'est ainsi que ça se passe, c'est-à-dire qu'on cède les pouvoirs de manière simple et rapide. Il y a maintenant quand même quelques communes qui font ce chemin vert, justement, de ne plus céder de façon aussi automatique les pouvoirs, parce qu'on est conscient, justement, de cette concentration des pouvoirs. Et on souhaite qu'à l'avenir, il y ait de plus en plus de communes qui fassent ça. Et puis, on est très heureux aussi de voir qu'il y a des gens qui ont été dans les mandatures précédentes, qui ont été aussi en mesure de changer leur fusil d'épaule, de prendre acte des difficultés et puis d'amender leur position pour aller vers plus de partage de pouvoir. Et donc, du coup, merci à Christine Chevillard du coup, pour son évolution dans le temps, si sa position était différente par le passé. Deux points. Sur les classes, ce n'est pas le maire qui décide de l'ouverture d'une classe, c'est l'éducation nationale. Donc simplement, à un moment donné, quand l'éducation dit « on ouvre une classe, on ferme une classe », il faut quand même administrativement signer des choses. Je ne veux pas réunir le conseil municipal. On aura le débat sur l'ouverture des classes et sur les fermetures, puisque chaque année, l'inspection d'académie nous fait ses propositions, qui sont en fait ses décisions. On discute en amont, bien évidemment, et vous serez, dans le cadre de la commission scolaire, informé. Vous pourrez apporter tous les éléments de réflexion qui sont les vôtres. Puis après... Une fois que la décision est prise, que le conseil municipal donne un avis, il faut bien que le maire, derrière, prenne un certain nombre d'actes administratifs. C'est cela dont il s'agit. Premier point. Deuxième point, en justice. Pardonnez-moi, M. Besson. Vous avez demandé l'autorisation à qui d'attaquer la ville
sur justement l'autre jour au tribunal administratif. Apportez déjà de la transparence dans votre mouvement avant de l'exiger au sein du conseil municipal. Ça n'a pas de rapport. On a si, ça a un rapport. Non, parce que nous avons agi au nom de notre groupe, nous n'avons pas agi au nom de la ville. Pardon. Monsieur Besson, il y a une chose qu'il faut apprendre ici, c'est que pour prendre la parole, on la demande. On ne peut pas la prendre, c'est la règle. Je précise simplement que le fait que vous ayez, par exemple, introduit une action en justice fait que le maire est obligé, et rapidement, parce qu'il y a des délais de recours, de décider dans une action ou dans une autre, pas forcément dans celle-ci d'ailleurs, parce que nous n'étions pas informés, mais de prendre une décision, de faire appel, par exemple, ou de se défendre, de prendre un avocat. Donc c'est aussi, là aussi une question d'efficacité et de rapidité qui prône. Par conséquent, là encore, les deux exemples que vous donnez, que ce soit justice ou les classes, ben, ce sont justement deux décisions pour lesquelles il faut qu'il y ait une délégation pour aller plus vite. Bien, je considère que l'Assemblée est suffisamment éclairée pour pouvoir se prononcer sur ces délégations de pouvoir, que je soumets à votre approbation. Quels sont ceux qui sont contre? Lève la main. Une, deux, trois. Abstention. Trois. Je vous remercie. Il est donc approuvé. Nous avons aussi des désignations au sein de commissions municipales et d'organismes extérieurs. Pour les commissions municipales, nous aurons plusieurs commissions. La commission finances, patrimoine, moyens généraux. La commission urbanisme, habitat, cadre de vie. La commission sécurité, santé publique. La commission écologie, mode doux, environnement, la commission commerce, la commission éducation, jeunesse, la commission sport et enfin la commission culture, événementiel, culturel. J'ai proposé que ces commissions soient constituées de 11 élus du conseil municipal, 8 élus de la majorité, 3 élus de l'opposition. J'ai proposé à chacun des groupes, donc de l'opposition en particulier, d'avoir chacun un représentant. Et vous m'avez désigné par mail, donc, les représentants. Aussi, je vous propose donc la composition suivante pour chacune des commissions. Pour la commission finances, patrimoine, moyens généraux, de la majorité municipale, M. Christophe Pion, Alexandre Grange, Pascal Lassaigne, Madine Ouibat, Christian Dorange, Clotilde Robin, Fabien Lambert, Corinne Troncy, ainsi que 3 élus de l'opposition, M. Iacovella, Mme Riamont et Mme Chevillard. Pour la commission urbanisme, cadre de vie, habitat, de la majorité, M. Murzy, Mme Robin, M. Lassaigne, M. Dorange, Mme Promalet, Mme Barban, M. Bourgeon et Mme Rodkoff. Pour l'opposition, M. Iacovella, M. Van Eck et M. Gerbeau. Pour la commission sécurité, santé publique, M. Bourgeon, Mme Redeuil, Mme Bernier, Mme Lougraillem, Mme Lapalu, M. Murzy, M. Sergenton, Mme Dana Burnichon. Pour l'opposition, M. Iacovella, Mme Dumoulin, Mme Chevillard. Pour la commission écologie, mode doux, environnement, pour la majorité, M. Lassaigne, M. Murzy, M. Bourgeon, M. Sergenton, M. Nouiba, M. Bost, Mme Barban, Mme Robin, et pour l'opposition, M. Iacovella, Mme Riamont et M. Besson. Pour la commission commerce, Mme Rodkoff, Mme Redeuil, Mme Dana Burnichon, M. Brasseur-Minard, M. Guillermin, Mme Fadloun, Mme Loupou, Bratilo, Véanou, M. Banchet, pardon, et pour l'opposition, M. Iacovella, M. Vanek et M. Gerbeau. Pour la commission éducation jeunesse, Mme Dufossé, Mme Lapalu, M. Passot, Mme Bernier, M. Rivelier, Mme Promalet, Mme Brun, Mme Troncy, et pour l'opposition, M. Iacovella, Mme Dumoulin et M. Besson. Pour la commission sport, M. Passot, M. Lassaigne, M. Lapalu, Mme Lapalu, pardon, M. Grange, M. Rivelier, M. Guillermin, Mme Robin, Mme Lougraillem. Pour l'opposition, M. Iacovella, Mme Dumoulin et M. Gerbeau. Pour la commission culture, événementielle et culturelle, M. Banchet, Mme Fenou, Mme Loupou, Bratilo, Véanou, Mme Redeuil, Mme Petit, M. Rivelier, Mme Barban et M. Brasseur-Minard. Pour l'opposition, M. Iacovella, M. Vanek et Mme Chevillard. Tout le monde est d'accord sur ce sujet? Tout le monde est représenté? Unanimité des votes? Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Ensuite, nous avons des organismes dans lesquels nous devons désigner des élus pour siéger donc dans ces organismes. À la DPI, 2 représentants. Je vous propose Mme Lougraillem et M. Sergenton. Pour l'Association de défense et d'entraide des personnels handicapés, dit ADEP, 1 représentant, M. Sergenton. Pour l'Association foncière urbaine libre, la FUL de Saint-Louis, c'est la copropriété pour faire court. 2 titulaires, Mme Rodkoff et M. Murzy. 2 suppléants, M. Pion et M. Dorange. Pour le pôle de service, 2 titulaires, Mme Rodkoff et M. Murzy. 2 suppléants, M. Pion et M. Dorange. Pour l'ARAVEM, 2 représentants, M. Bourgeon et Mme Dana Burnichon.
Pour l'Association des archivistes français, un représentant, M. Banchet. Pour l'Association du canal de Rouen à Digoin, un titulaire, Mme Loupou Bratilovéanou, et un suppléant, Mme Petit. Pour le centre hospitalier de Rouen, un représentant, M. Sergenton. Pour les centres sociaux, un titulaire, un suppléant pour chacun, Condorcet, M. Nouiba, Mme Troncy. Bourgogne, M. Nouiba, Mme Barban. La Livate, M. Nouiba, Mme Redeuil. Marceau-Mulsan, M. Nouiba, Mme Lapalu. Moulin à Vent, M. Nouiba, M. Guillermin. Ciné-Rivage, un titulaire, un suppléant, M. Brasseur-Binard et M. Banchet. Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, un titulaire, M. Bourgeon et Mme Troncy. Le Comité national d'action sociale, Mme Fenoux. Le Comité rouennais de vacances, Mme Dufossé. La Commission ad hoc d'aide au ravalement des façades et la mise en valeur des immeubles privés classés, trois représentants, M. Murzy et M. Dorange, et un membre de l'opposition. J'y reviendrai. Commission coordination des actions de prévention expulsion, dit CAPEX, un titulaire, Mme Robin, un suppléant, Mme Barban. La Commission départementale de coopération intercommunale, votre représentant, le maire. Commission départementale de la sécurité des transports de fonds, un titulaire, M. Bourgeon, un suppléant, M. Pion. Centre de gestion de la Loire, commission de réforme, deux représentants, Mme Fenoux et Mme Loupou Bratilovéanou. Commission de titre de séjour, un titulaire, Mme Troncy, un suppléant, M. Bourgeon. Conseil académique de l'éducation nationale, un représentant, Mme Dufossé. Conseil d'administration du CCAS. Nous aurons six représentants de la majorité, deux représentants de l'opposition. Mme Troncy pour la majorité, M. Nouiba, Mme Barban, Mme Redeuil, Mme Bernier et Mme Robin. Par contre, nous, on a un problème, j'y reviendrai, c'est deux représentants de l'opposition, j'ai trois candidats, Mme Dumoulin, M. Besson, M. Iacovella. Commission d'appel d'offres, président plus cinq titulaires, dont un d'opposition, plus cinq suppléants, dont un d'opposition. Titulaire, M. Grange, M. Murzy, M. Lasseyne, Mme Fadloun, il me faudra une personne de l'opposition. Pour les suppléants, Mme Rodkoff, M. Dorange, M. Pion, M. Passot, plus une personne de l'opposition. Pour le Conseil national des villes et villages fleuris, ce sera M. Bost. Pour l'Union du pôle funéraire public, un représentant, M. Lambert. Pour les questions de défense, un représentant, M. Lambert. Pour la Rouennaise de l'eau, syndicat du cycle de l'eau, deux titulaires, M. Murzy, M. Bost. Deux suppléants, M. Lasseyne et M. Grange. Pour Solila, solidaire pour l'habitat, un représentant, Mme Robin. Pour la CEMOP, Foch-Sully, trois représentants, Yves Nicolas, Mme Rodkoff et M. Murzy. Pour le syndicat intercommunal d'énergie de la Loire, territoire d'énergie Le Ciel, un titulaire, M. Murzy, un suppléant, M. Pion. Pour la société publique locale d'efficacité énergétique Osée, un représentant, M. Dorange. Pour la cité scolaire Albert Thomas, pour le collège, un titulaire, Mme Redeuil, un suppléant, Mme Fenoux. Pour le lycée, un titulaire, Mme Barban, un suppléant, Mme Petit. Pour le lycée professionnel, un titulaire, M. Sergenton, un suppléant, Mme Dufossé. Pour le collège Jean de La Fontaine, un titulaire, Mme Loupou Bratilovéanou, un suppléant, Mme Lougraieb. Pour le collège Jules Ferry, un titulaire, M. Passot, un suppléant, M. Brasseur-Binard. Pour le collège et François d'Assise, pour le collège et lycée François d'Assise, Arago-Sainte-Anne, un titulaire, Mme Brun, et un suppléant, M. Grange. Pour l'école, collège, lycée privé Saint-Paul, un titulaire, M. Rivolier, un suppléant, M. Lambert. Pour l'école privée Notre-Dame-des-Victoires, un titulaire, M. Rivolier, un suppléant, Mme Lapalu. Pour l'école privée Saint-Michel, un titulaire, M. Rivolier, un suppléant, M. Guillermin. Pour le lycée Jean-Puy, un titulaire, M. Murzy, un suppléant, Mme Dana Burnichon. Pour le lycée professionnel Carnot, sans paix, un titulaire, M. Bost, un suppléant, Mme Brun. Pour le lycée scientifique et technologique Juan Carnot, un titulaire, Mme Promalet, et un suppléant, M. Lassaigne. Nous aurons ensuite une délibération spécifique sur le CT et le CSHCT. Donc, je reviens au sujet pour lequel il faut trancher. Pour la commission ad hoc d'aide au ravalement des façades, donc il me faut un membre de l'opposition. Qui est candidat ? Alors, qui lève la main ? Madame Dumoulin, tout le monde est d'accord ? Je vous remercie, ça sera donc Madame Dumoulin. Ensuite, alors, le CCAS, nous avons trois candidats, Madame Dumoulin, M. Besson et M. Iacovella, je n'ai que deux places. M. Gerbeau, je vous écoute.
En fait, la personne du collectif 88% qui se présente au conseil d'administration du CCAS, ce n'est pas M. Besson, c'est moi, c'est M. Gerbeau. Ah, c'est M. Gerbeau, très bien. Et oui. Alors, par contre, là aussi, j'ai une difficulté, j'ai trois candidats, deux postes. Soit je fais une délibération, je vous annonce que la majorité ne prendra pas part au vote. Et donc, c'est à vous de régler le problème. Trois voix, une voix. J'imagine que ça fait minimum un mort, voire deux. Mais après, je ne sais pas, M. Iacovella étant tout seul, je crains qu'il n'obtienne pas la majorité. Mais après, je ne sais pas comment on fait. Donc, ce qui serait bien, c'est soit vous tirez la courte paille, soit vous mettez d'accord. Donc, comme il y a eu peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas m'immiscer dans vos débats, mais comme vous êtes tombé d'accord sur Madame Dumoulin, peut-être à ce moment-là, M. Iacovella et M. Gerbeau. Non, mais je suis d'accord, non, j'essaie de trouver des solutions, Madame Dumoulin. Vous maintenez vos candidats. Monsieur Besson, vous voulez intervenir ? Mais peut-être en termes de précision, enfin, il nous semble que oui, mais vous allez le confirmer, il n'y a aucune possibilité au niveau du CCAS d'ajout d'un espace supplémentaire. Sans rompre les équilibres, non. Voilà. Et sans, enfin, éventuellement, il pourrait y avoir l'option que dans la majorité, vous soyez un de moins pour laisser une place à une opposition qui n'a pas accès à l'information. Les électeurs ont tranché, Monsieur Besson. Non, mais c'est une suggestion qu'on fait dans les possibilités. Non, mais j'entends bien. C'est une suggestion, mais je ne retiens pas. Je comprends votre position. Ouais. Alors, que fait-on ? Madame Riamont, vous voulez dire quelque chose ? Oui, je peux vous faire une proposition, Monsieur le maire. Vous Allons-y. Pourriez accepter la présence du troisième membre de l'opposition sans droit de vote ? Non. Parce qu'après, ça ouvre la voie à tout un tas d'organismes où j'aurai la même demande avec une présence supplémentaire sans droit de vote. Nous ne sommes pas un organisme, nous sommes le conseil municipal. Non, mais je parle d'un organisme qui est celui du CCAS. J'entends bien, mais c'était une proposition de consensus. Ah, mais la majorité arrive à se mettre d'accord, il n'y a pas de raison que l'opposition n'y arrive pas. C'est pas une opposition unique. Ah bon ? Mais bon, après, voilà. Bon, allez, je soumets à votre approbation. Pour la candidature de Madame Dumoulin, levez la main. J'ai trois voix. Pour la candidature de Monsieur Gerbeau, j'ai trois voix. Pour la candidature de Monsieur Iacovella, une voix. Je considère que nous faisons un deuxième tour. Alors, je recommence. Madame Dumoulin, toujours pareil. Trois voix. Monsieur Gerbeau. Pour Monsieur Gerbeau, trois voix aussi. Pour Monsieur Iacovella, non plus. Bien, troisième tour du scrutin. On considère que c'est le même vote. Par conséquent, quel est le plus âgé ? Hein ? Non, mais entre les deux qui restent, puisque Monsieur Iacovella, au troisième tour, est battu. Donc, après, nous avons une égalité de voix, sauf que Monsieur remet en jeu. Ah oui, il y a deux places, pardon. Ah oui, non, c'est vrai. Pardon, donc c'est fait, c'est réglé. Donc ça sera Madame Dumoulin et Monsieur Gerbeau. Je vous remercie. Alors, sur la commission d'appel d'offres, il me faut une personne de l'opposition en titulaire et une en suppléant. Non, la commission. J'ai une personne de l'opposition, mais je n'ai pas le nom. Oui, pour votre. Non, mais pour votre groupe, oui. Mais si j'ai qu'une personne de l'opposition, j'ai trois groupes. Si chacun donne un nom, ça me fait trois candidats pour l'opposition. Y a-t-il un candidat du groupe 88 ? Madame Chevillard aussi, oui. Voilà. Monsieur Iacovella, êtes-vous candidat ? Oui. Donc j'ai à nouveau trois candidats, mais cette fois-ci pour un seul poste. Alors, on va faire d'abord le titulaire, ensuite on fera le suppléant. Je crains pour être M. Iacovella que vous n'arriviez pas à émerger donc, dans un vote comme ça, mais bon, je prends acte de votre candidature. Donc ensuite, M. Iacovella, que choisissez-vous
Et si vous devez apporter votre voix à l'un des deux autres groupes, lequel ? Ah, vous, ah oui, mais ça fait égalité. Donc, quel est le plus âgé pour le titulaire ? Entre Madame Chevillard et Madame. Pardon, et Monsieur Vanek. Date de naissance, Monsieur Vanek ? Madame Chevillard, vous êtes née avant ou après ? Ah, donc ça sera Monsieur Vanek, et je propose que Madame Chevillard soit suppléante. Ça vous va ? Monsieur Besson ? Mais c'est juste pour ça, en termes de procédure de vote, ça se termine à la personne la plus jeune en cas d'égalité, c'est ça ? Ça fait référence. Non, cas d'égalité, c'est la plus âgée. La plus âgée ? Oui. Et ça, c'est un processus. C'est un processus du code électoral. Du code électoral, ok. Donc on est sur Monsieur Vanek pour titulaire de la commission d'appel d'offres et Madame Chevillard comme suppléant. Je vous remercie. Je crois qu'on a fait le tour. Nous passons maintenant à la désignation des représentants des élus de la ville de Roanne au comité technique et au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Alors là, nous avons aussi alors 6 titulaires et 6 suppléants. Comme titulaire, je propose Madame Fenou, Madame Loupou Bratilovéanou, Monsieur Sergenton, Madame Robin, Monsieur Murzi et Madame Lougraieb. Comme suppléant, Madame Troncy, Monsieur Pion, Madame Redeuil, Monsieur Bourgeon, Monsieur Lambert et Monsieur Barban. Madame Barban, pardon. Excusez-moi. Je soumets à votre approbation. Quels sont les votes contre ? Les abstentions ? Je vous remercie. Nous passons aux indemnités de fonction des élus. L'indemnité de fonction des élus est fixée par la loi, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de la fonction publique, à savoir et à titre indicatif l'indice 1027 au 1er janvier 2019, et selon l'importance de la strate démographique de la collectivité. Considérant que pour Roanne, commune dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants, le taux maximal de l'indemnité du maire en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique est de 90%, que le taux maximum de l'indemnité d'un adjoint en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique est de 33%, considérant que l'enveloppe globale maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints sur cette base de calcul s'élève pour la ville de Roanne à indemnité annuelle du maire 42 005,30 € et indemnité annuelle des adjoints à 215 628 € pour l'année, le montant total de l'enveloppe globale annuelle sera de 257 633,30 €. L'indemnité mensuelle du maire, donc, Oui, les conseils municipaux des communes ayant, au cours de l'un au moins des 3 exercices précédents, été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de la cohésion sociale, permet donc d'augmenter l'enveloppe maximum susceptible d'être allouée aux élus, ce qui porterait l'enveloppe globale annuelle ainsi revalorisée à 338 843,28 €, avec 51 339 € pour le maire, 84 centimes, et 287 507,44 € pour les adjoints. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Je rappelle que tous les conseillers municipaux de la majorité seront délégués à une fonction et donc pourront prétendre à une indemnité. Le maire, 77% de l'indice terminal de la fonction publique. Les adjoints, 21,2% de l'indice terminal de la fonction publique. Les conseillers municipaux délégués, de 11% de l'indice terminal de la fonction publique. Cela donne un tableau dans lequel les adjoints auraient mensuellement une enveloppe de 1 283,50 €, les conseillers municipaux de 427,83 €, conseillers municipaux délégués, et le maire de 2 994,82 €. Je soumets cette délibération à votre approbation. Oui, Monsieur Gerbeau. Voilà.
Donc oui, par contre, nous, pour notre part, nous nous opposons à cette délibération pour deux raisons. Donc la première, c'est car pendant la campagne pour l'élection municipale, le collectif 88% a soutenu que l'indemnité du maire devait être calquée sur le salaire médian des Rouennais. Et deuxièmement, parce que dans un conseil municipal, nous considérons que tous les conseillers municipaux doivent être indemnisés, ne serait-ce que par principe d'équité, et pour effectuer leur travail correctement. Voilà. J'entends. J'en prends acte. D'autres interventions ? Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre ? 1, 2, 3. Des abstentions ? 1, 2, 3. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Nous avons un avenant à passer avec le service commun de la Direction générale des services de Rouennais Agglomération. Vous savez que nous sommes dans le cadre d'un service commun qui permet d'avoir un directeur général de l'agglomération qui, sur 20% de son temps, peut avoir à connaître des affaires de la ville, ainsi que le directeur général des services de la ville qui, lui aussi, dans 20% de son temps, doit pouvoir avoir à connaître des affaires de gestion de l'agglomération. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que certains services donc, sont pilotés par l'agglomération. Je pense au service des ressources humaines, à la DTNSI, au cabinet, bien évidemment. Et donc, il est important que le maire de Rouen, comme ses services sont portés par l'agglomération, que le directeur général de la ville de Rouen puisse également avoir une autorité, donc partielle, bien évidemment, sur l'agglomération dans ce cadre-là. Ce service commun prend fin avec la fin du mandat du président de l'agglomération. Or, compte tenu de la pandémie, le mandat du président de l'agglomération a été prolongé et sera prolongé jusqu'au début juillet, compte tenu donc des 10 juillet, compte tenu que le deuxième tour des élections donc, a lieu donc, fin juin, le 28 juin, et que le temps que se mette en place donc, le nouvel exécutif de l'agglomération, nous serons donc sur une fin de mandat de l'exécutif actuel de l'agglomération au 10 juillet. Et par conséquent, comme donc, le service commun prenait fin normalement au moment des élections municipales et que nous avons été le premier tour, il convient de prolonger par avenant donc, ce service commun jusqu'au 10 juillet. Voilà la raison de cette délibération. Avez-vous des questions ? Je le soumets à votre approbation. Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Pour pouvoir fonctionner, là aussi, il faut le savoir... Pardon, Madame Riamon, vous voulez intervenir ? Après. Pour pouvoir fonctionner, vous savez que le maire est entouré donc d'un cabinet, ainsi que le président de l'agglomération, et la loi prévoit donc la possibilité d'ouvrir 3 postes. C'est ce que nous vous proposons de faire, ce qui ne veut pas dire que nous allons recruter 3 personnes. Donc aujourd'hui, je vous propose, donc, comme la loi nous y autorise, d'ouvrir ces 3 postes dans 3 emplois de 3 collaborateurs de cabinet. Il faut savoir que les emplois cabinet prennent fin avec le mandat du municipal. C'est-à-dire que si on veut qu'aujourd'hui, donc, chef de cabinet, en l'occurrence Madame Gutorb, continue à être payée, eh bien, il faut bien évidemment rouvrir les postes pour qu'elle puisse y prétendre. Et dire donc que les dépenses correspondantes seront bien évidemment prévues au budget. Qui avait prévu bien évidemment ces dépenses ? Donc on ne crée pas, on ouvre les postes, mais par contre on n'est pas encore sur le recrutement en dehors de Madame Lassaigne. Avez-vous des questions sur cette délibération ? Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Même chose pour le cabinet commun avec Rouen Agglomération. Le service, vous savez, on a aussi avec la direction générale, donc la direction générale, pardon, nous avons un service commun. Pour le cabinet, nous avons un service commun. Et donc là encore, pour que le cabinet puisse pouvoir travailler aussi bien avec l'agglomération qu'avec la ville, et en attendant le renouvellement de l'exécutif donc de Rouen Agglomération, il convient de prolonger donc le service commun du cabinet avec Rouen Agglomération jusqu'à l'élection du prochain exécutif. Donc c'est la même délibération que nous avons vue il y a quelques instants, mais qui concerne le cabinet et non pas la direction générale. Même vote ? Oui. Ah, Madame Riamon ? Pour que ce soit bien clair, nous sommes abstenus sur le service commun DGS. Nous votons pour les postes de cabinet, les 3 postes mairie, et nous nous abstenons sur la mutualisation du CAB. Très bien. J'en ai pris note. Ce sera noté au procès verbal. D'autres interventions ? En dehors de ces votes, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Nous en avons terminé avec les délibérations. Je vous remercie de votre attention. Nous avons 2 conseils municipaux qui sont à l'agenda. Le jeudi 11 juin à 18h et le jeudi 9 juillet à 18h.
le jeudi 9 juillet. Ce sera le dernier conseil municipal avant les vacances et avant un retour en septembre. Donc vous recevrez bien évidemment les convocations ainsi que l'ensemble des pièces qui vous seront nécessaires à pouvoir prendre connaissance donc des sujets. Je vous remercie. Il est 12h24, la séance est levée.